सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता चार दीवारी में शगुन के इस पुलवारे में उम्र भी है काटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की S'il te plaît, Nikita, pas un seul mot. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tu as tout gâché, Nikita. Ce n'est pas fini, Sanchi. Notre plan tient toujours. Nous révélerons la vérité sur Nikita. Tu peux en être sûr. Madame Malvika, je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi je vous ai pris pour Sanchi et... Je suis désolée, je regrette ce que j'ai fait, vraiment. J'ai commis une erreur et je suis désolée, vraiment désolée. Pardonnez-moi, je réalise l'erreur que j'ai faite, Madame Malvika. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne rompez pas ce contrat avec nous, madame. Tout est de ma faute, je vous en supplie, pardonnez-moi. Ce contrat est très important pour nous, je suis sûre que vous le savez. Donnez-moi une dernière chance. Au bureau. Oui, madame, allez. Madame Malvika, Madame Malvika, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai bien peur qu'il n'y ait aucune chance, papa. Nous sommes en train de faire face à une énorme crise financière. Nous avions prévu les 4 prochains mois pour les investissements. Mais en prenant en compte le fait que nous devions signer ce contrat avec Malvika, nous avons même payé la plupart des fournisseurs pour les matières premières. Mais le contrat a été annulé. Vu les circonstances, je ne sais pas quoi faire. Papa, Ariane, je suis vraiment désolé. Je suis le seul fautif de notre situation actuelle. J'étais tellement consumé par mes problèmes que j'ai négligé cet aspect. Non, mon frère, non. Ne te culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute. Nous sommes dans cette situation à cause de tous les événements qui ont eu lieu ici, dans notre maison ces derniers temps. La vraie raison de cette perte, c'est la rupture de contrat avec Malvika. Nous avons fait un prêt plus qu'énorme. Et pour rembourser cet argent, je pense que nous devons malheureusement tout vendre. Nous n'avons pas d'autre option, papa. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans une situation pareille. Et c'est le père de Sanchi qui nous avait aidés. Je pense qu'on devrait hypothéquer cette maison et retourner tranquillement dans notre petit village. J'espère que nous serons à l'aise là-bas. Au village, je n'irai pas au village. Peu importe le prix à payer. Mon oncle, s'il vous plaît, vous ne pensez tout de même pas que je vais affronter ce problème toute seule? Impossible. Non, je ne peux pas aller au village. Nikita, si tu ne savais pas gérer ce problème, pourquoi l'as-tu créé?
Tu pensais que c'était un jeu d'enfant? Tu pensais pouvoir tout recommencer, comme bon te semble? C'est une blague! Écoute-moi, Nikita, tu as fait tout ça sans me demander mon avis. Qu'est-ce que tu croyais? Que Malvika signerait ce contrat après tout ce que tu lui as fait? Toute personne prudente et respectueuse ne voudrait même plus te regarder après ce que tu as fait. Et encore moins gérer une affaire avec toi. Elle ne voudra même pas avoir de lien avec toi. Même moi qui suis ton oncle, j'aurais fait pareil. Si j'étais à la place de Malvika, est-ce que tu comprends? Nikita, sache que maintenant, tu assumeras les conséquences seul. Mon oncle! Ouais. Ariane. Ariane, s'il te plaît, parle-moi. Si je peux faire juste quelque chose, je... Eh bien quoi? Tu n'en as pas fait assez? Nous avons tout perdu par ta faute. Est-ce que tu vas t'excuser auprès de Malvika? Tu vas la supplier, c'est ça? Non, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'autre choix que de retourner au village. Non. Non, Ariane, je vais essayer encore une fois. Je sais que Malvika est au bureau, j'irai lui parler. Merci, Nikita. Merci pour ta coopération. Te voilà tomber à nouveau dans notre piège, c'est super. Le plan fonctionne. Nikita vient te voir, Malvika. Sanchi. À quelle heure Malvika revient? En fait, elle doit être en chemin. Ah, regardez, elle est là. Ah, bonjour. Alors, bonjour, Madame Malvika. Bonjour. Bonjour, Madame Malvika. Bonjour. Nous sommes contentes de vous retrouver. Bien, s'il vous plaît, Madame, parlez-nous de ce voyage qui fait de vous une mania des affaires. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Juste une minute. Madame, s'il vous plaît, Madame sortez. Madame Malvika, s'il vous plaît, Madame, donnez-nous une dernière chance. Ce contrat est vraiment très important pour nous, s'il vous plaît, je vous en supplie. Comment osez-vous? Comment osez-vous venir dans mon bureau, Nikita? De quel contrat parlez-vous? Vous êtes folle? Vous n'avez même pas un tout petit peu de honte? Attendez, d'abord, vous me forcez à venir chez vous. Ensuite, vous m'avez insultée. Vous avez fait de fausses accusations contre moi. Et par-dessus tout, vous parlez encore de ce contrat? Vous avez perdu la tête, Nikita? D'un côté, vous parlez de fantômes, d'âmes et de je ne sais quel esprit. Et de l'autre côté, vous parlez encore affaires. Vous avez besoin d'une aide médicale. Et ça, voyez-vous, le plus tôt possible. Sinon, votre grossièreté et votre impolitesse caractérisée vont ruiner toute votre vie. Mais s'il vous reste encore un tout petit peu de dignité, partez d'ici, sans dire un seul mot de plus. Et dans le cas contraire, je demanderai à mes hommes de vous virer de mon bureau. Je n'hésiterai pas à utiliser la force si nécessaire. Sortez! Faites-la sortir! Madame, sortez, s'il vous plaît. Par ici. Allez. Nikita, c'est avec un grand sourire que tu m'avais humiliée. Ma famille et moi en public, ainsi qu'Ariane. Mais les choses ont changé. Maintenant, tu seras couverte de honte. Breaking news. Mademoiselle Malvika Segal a révélé enfin toute la vérité. Elle a clairement dit que Nikita Setia, la belle-fille de la famille Setia, l'a invitée chez elle et l'a insultée. Pourtant, la devise de notre état est l'hospitalité. Nikita Setia a sali l'image du Rajasthan en traitant Malvika de cette façon. Pour votre information, Nikita Setia est la femme qui avait accusé Ariane de la famille Setia de l'avoir violée il n'y a pas si longtemps que ça. Que veut réellement Nikita Setia? Par ailleurs, nous avons appris un petit peu plus tôt ça dans suffit. L'après-midi que... C'en est trop. Maman, tu as fait confiance à Nikita en l'emmenant ici, en tant que belle-fille. N'est-ce pas? Tu as vu ce que ta belle-fille a fait au final? Maman, si tu ne te rends toujours pas compte de tes erreurs, je ne t'adresserai plus la parole.
un retrait sur mon compte. Il y a encore du temps avant la date d'échéance. Allô ? Bonjour, monsieur, ici Virendra Mittal. Je viens de recevoir un message de votre banque déclarant un retrait sur mon compte. Comment est-ce possible sans mon autorisation ? Monsieur Mittal, je suis désolé, mais nous n'avons reçu aucun ordre de retrait de votre part. J'avais peut-être donné votre mot de passe bancaire à un membre de votre famille, par exemple. Si c'était le cas, je ne vous aurais pas appelé, vous comprenez ? J'ai un compte dans votre banque depuis au moins 10 ans. Et vous savez que je n'utilise pas les services en ligne. Alors je n'ai pas besoin de donner mon mot de passe. Je viendrai à Delhi. Donnez-moi les détails pour la procédure, je veux une enquête. D'accord, entendu, monsieur Mittal. Qu'y a-t-il ? C'est pas possible. Ils ont effectué un retrait d'argent sur mon compte avant la date d'échéance et sans mon autorisation. Nous avons perdu une somme d'argent énorme. Tu as commis une erreur, Nikita. Admets-le, ma fille. Toute la famille est en colère contre toi. Il vaudrait mieux que tu t'excuses auprès de tout le monde. Écoute, je sais que tu ne l'as pas fait volontairement. Tu ferais mieux de demander pardon. C'est très important pour la famille de rester soudée. Surtout en ce moment. Mère, j'ai besoin de temps pour décider de ce que je ferai. Si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît, laissez-moi seule un moment. D'accord. Personne ne me dit ce que je dois faire ou pas. Personne ne me donne des ordres. Je ferai ce qui me semble juste. Je suis en train de perdre la tête à cause de cette maudite famille. Eh bien, c'est le chaos dans la maison depuis hier. Maman est de mauvaise humeur et Nikita s'est enfermée à clé dans la chambre. Elle veut rester toute seule. C'est le moment de faire quelque chose qui va dévoiler la vérité sur Nikita. Nous devons savoir ce qu'elle mijote, ainsi que tous les plans qu'elle prépare. En ce moment même. Sanchi, voilà ce qu'on va faire. Nous devons engager un détective privé. Et lui demander d'espionner Nikita. Il nous donnera tous les détails sur la vie de Nikita. Oui, Ariane. En plus, je connais quelqu'un qui pourrait très bien faire ce travail. Une minute, je te rappelle tout de suite, d'accord ? D'accord, bye. Papa, tu dis toujours que tout problème a une solution. Alors il ne faut pas s'inquiéter, papa. Tout finira par s'arranger, je t'assure. Peu importe la noirceur du crépuscule, l'aube finit par refaire surface. Ariane a tout à fait raison. Nikita finira par aller mieux. En ce moment, nous devons faire preuve de patience. Nous pouvons demander de l'aide au père de Priyanka. Non, maman. Je m'occuperai de tout, rassure-toi. Oui, Ariane, le détective m'a dit qu'il a trouvé des informations très importantes sur le passé de Nikita. Ces informations sont liées au mariage. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je le saurai bientôt. Bien. Mais Ariane, le détective a dit que ça lui serait d'une grande aide si nous allions tous les deux le voir. Où ça ? Nous devons aller à Delhi, Ariane. Tu pourrais venir ? Écoute, si on a des informations sur Nikita, tout sera plus clair. Notre dossier contre Nikita sera encore plus lourd. Je vais voir comment ça se passe à la maison et je te tiens au courant. Trouve un moyen, Ariane. Il vaudrait mieux qu'on y aille tous les deux. Ok. Bye. Bye.
Pourquoi as-tu... Écoute, Sarita. Ce n'est pas la première fois que nous... traversons des moments difficiles. Lorsque l'automne arrive, l'arbre perd toutes ses feuilles. Mais quand le printemps se montre, il reprend de sa verdure. C'est ce qui se passe avec nous. Nous traversons juste la même situation. Ne t'inquiète surtout pas. Tout finira par s'arranger. D'accord ? Papa, j'envisage de me rendre à Delhi demain matin. Nos affaires sont malheureusement en arrêt à cause de tous les événements arrivés récemment. Alors, je parlerai aux différents clients pour leur redonner confiance. D'accord. Vas-y, Ariane. Mais Ariane, tu ne peux pas partir comme ça vu l'état de Nikita. Sarita, Ariane a raison. Tu sais, nous avons déjà subi d'énormes pertes. Eh bien, si nous ne réglons pas la situation maintenant, les choses s'empireront. Tu peux y aller, mon fils. Je vais me charger de gérer tous les problèmes. Oui, merci, papa. Bois ton thé. Monsieur Verma, quelles sont ces informations si importantes que vous vouliez partager avec nous ici? Alors, je suis allé enquêter dans l'ancien quartier de Nikita, et c'est de ça dont il s'agit. Qu'avez-vous trouvé? Des choses qui vont vous aider. Regardez. Ariane, elle... c'est bien Nikita! En habit de noces! Cela signifie qu'elle était déjà mariée auparavant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes choqués? Vous allez l'être encore plus. Peu de temps après son mariage, il y a eu un accident. Son mari s'est suicidé. Je n'y comprends toujours rien. Tout cela est vraiment très étrange. Qui était cet homme? Je vous ai fait venir pour vous dire la vérité. Cette personne décédée habitait dans un quartier que je connais très bien. Si on se renseigne auprès de ses voisins, on pourra avoir plus d'informations. Je ne peux pas le faire tout seul et j'aurai besoin de vous. De notre aide, mais... Si vous y allez vous-même exposer votre problème, ils pourront vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. On pourrait en savoir plus sur le passé de Nikita. Est à Delhi. Quoi? Il est parti à Delhi sans m'informer? Pourquoi t'énerves-tu? Tu devrais être heureuse. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de problèmes. Ariane fait de son mieux pour tout réparer. Si nous venons à perdre la confiance du client, nous risquerons de tomber en faillite. Et Ariane le sait très bien. Et nous savons tous que c'est le seul à pouvoir gérer. Voici Ariane et Sanchi. C'est un couple marié. Ils sont en quelque sorte liés à Nikita. Ils sont venus jusqu'ici pour parler de Nikita. Vous êtes au courant, n'est-ce pas?
que Nikita a été marié à Rohan. Ce qu'il y a de plus choquant, c'est le fait qu'il ne soit pas au courant de cette histoire. Quoi ? Tu veux nous faire croire que Nikita n'a parlé de son mariage à personne à Jaipur ? Je vous le jure, Rohan a beaucoup aimé Nikita. Il était d'une classe moyenne et il prenait tellement soin d'elle au point qu'elle avait toujours tout à sa disposition. Du jour au lendemain, leur amour a disparu comme une flamme. Comme ils se sont aimés, c'est comme ça qu'ils se sont aussi séparés. Ils se battaient toujours entre eux. Ah oui, je peux aussi rajouter que la fenêtre de ma cuisine était en face de la leur et un beau matin, Nikita s'est mise en colère. Elle a balancé tous les ustensiles et elle a détruit toute sa cuisine. En plus de ça, elle ne respectait pas son mari. Vous savez, quand une personne privilégie l'argent à l'amour, c'est ce qui arrive. La cupidité est un vice. Pauvre Rohan, il souffrait silencieusement parce qu'il voulait satisfaire ses désirs. J'ai entendu dire qu'apparemment ils auraient consulté un médecin pour maladie mentale. Un psychiatre ? Mais lui-même n'a pas pu les aider. Parce qu'au final, Rohan s'est suicidé. Nous n'aurions jamais pu imaginer que les choses iraient jusque-là. À quel niveau ? À votre avis, Nikita est repartie à Jaipur et n'est plus jamais revenue jusqu'à ce jour. Ok. Est-ce que vous savez où on peut trouver ce psychiatre ? Est-ce que vous avez une idée ? Je ne sais pas où il se trouve. Écoutez, Monsieur Mittal, voici le jour où votre dépôt a été effectué. C'est juste après ce transfert que l'argent a été retiré. Et cela ne peut être fait que par quelqu'un qui possède votre identifiant et votre mot de passe, vous comprenez ? Pourtant, je ne fais pas les transactions en ligne. Passez-moi tout de suite. Écoutez, c'est de la cybercriminalité. Quelqu'un a piraté mon compte. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais vous devriez faire quelque chose. J'ai fait confiance à votre banque, donc c'est à vous de régler ça. Vous devriez faire un peu plus attention. Très bien. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Monsieur, essayez de comprendre. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas vous aider car parler de mon client est contraire à l'éthique. Nous promettons toujours aux patients de respecter le secret professionnel. Alors, s'il vous plaît, n'insistez plus. Faites-le pour nous. Sachez que la vie de toute une famille est en train d'être gâchée à cause de votre patient. Monsieur, Nikita a commis des actes qui peuvent ruiner nos vies, monsieur. S'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez, dites ce que vous voulez, j'ai pris ma décision. Ce qui concerne mon patient reste secret. S'il vous plaît, partez d'ici et laissez-moi travailler. Mais quel genre de docteur êtes-vous, hein ? Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, comment guérissez-vous vos patients ? Ariane, s'il te plaît, non. Désolé, monsieur. Nous allons partir tout de suite. Désolé, vraiment. C'est pas grave, on y va. Allez. S'il vous plaît, j'ai reçu un appel de l'école d'Amit. Il est tombé du premier étage. Il s'est blessé à la tête. Que s'est-il passé ? Dites-moi, où est-il ? Il vient d'être admis à l'hôpital général. Il nous demande 25 millions de roupies pour l'opération. 25 millions ? Comment vais-je faire pour réunir une aussi grosse somme en si peu de temps ? Je ne sais pas comment tu vas faire. Je veux simplement qu'il survive. Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai 25 millions de roupies. Ariane, j'ai encore l'argent de papa que j'avais pris dans son compte bancaire dernièrement. Tu te rappelles ? Je vais le leur donner. Vous comptez nous aider ? Il ne peut rien y avoir de plus important que de sauver la vie d'un enfant. Peut-être que Dieu nous a envoyés ici pour qu'on puisse justement sauver votre enfant. Mais en échange alors ? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de donner les informations de Nikita en contrepartie. Allez vite à l'hôpital, je m'occupe de l'argent. D'accord, alors dépêchons-nous. Mince, j'ai oublié mon dossier à la banque. Ah. C'est pour vous. Merci. Sanchi, comment est-ce que tu comptes faire pour rembourser l'argent de père, maintenant que tu viens de tout lui donner ? Ariane, je connais bien mon père. Quand il apprendra plus tard que j'ai donné de l'argent pour sauver la vie d'un enfant, il sera fier de moi. Mais Ariane, on doit aller à la banque pour déposer une lettre.
Marianne, je dois aller à la banque. J'ai un travail à finir, d'accord? Écoute, nous irons ensuite à Tchandnichok pour le déjeuner, ok? Ok, mais dépêche-toi. Hein? Tu as si faim, tu ne peux pas attendre? Ma faim, je peux la gérer. Mais rester loin de toi, ça, non. Allons-y. Attends, écoute-moi. Comment oses-tu me toucher? Appelez la police tout de suite! Oui, madame. Et faites-les arrêter! S'il te plaît. Papa, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. J'ai une explication à tout ça, s'il te plaît. Tu m'as menti si longtemps, Sanchi. Papa. Parfois, les mots ne suffisent pas pour exprimer tout ce que l'on ressent. Papa, papa, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi quelque chose, papa. C'était difficile pour toi, mais pour moi aussi. J'ai monté toute une histoire. Pour simuler ma mort. Mais je n'avais pas le choix. Parce que beaucoup de vies étaient en danger, papa. Papa, je me suis dit que je devais vraiment attendre le bon moment pour te Arrête. Le dire. Arrête. Je me fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Peu importe la raison pour laquelle tu as agi ainsi. Nous avons été blessés à cause de toi, Sanchi. Je n'arrive pas à te regarder. Et cela n'a aucune importance, puisque le mal a déjà été fait. La vérité ou le mensonge n'a plus aucune importance. Très souvent, quand tu attends la vérité sans rien faire, les choses finissent toujours mal. Au lieu d'atténuer le chagrin, tu l'as accentué. Cela aurait encore été préférable. Que je sois mort. J'avais réussi à tout rassembler. Tout a été ruiné. Nous ne perdons pas seulement la maison. Nous perdons aussi beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cette fille. Mère, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous parler sur ce ton. Je suis vraiment confuse. Beaucoup de choses se passent au même moment et je ne comprends plus rien du tout. Mère, vous me considérez comme votre fille, pas vrai? S'il vous plaît, voulez-vous me pardonner? En fait, Nikita, même ta belle-mère est aussi confuse. C'est bien pour ça qu'elle ne veut pas te parler. Tu peux partir maintenant, compris? Mère, je... Obéis-moi, Nikita.
personne ne veut te parler maintenant. Tu peux partir, compris? Mais, mère, bon, mais... Allez, vas-y. Elle était la seule qui me soutenait. Et ce n'est plus le cas. Personne dans cette famille ne me mettra de bâton dans les roues. Je dois penser à autre chose. Et très vite. Papa ! Ariane ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa, écoute-moi d'abord. Si tu ne m'écoutes pas, mais qui d'autre le fera, papa ? Papa, s'il te plaît, ne pense pas que tout ça a été facile pour moi. C'est parce que je n'avais vraiment pas d'autre option. De quoi parles-tu, Sanchi ? Quelle option ? Une solution ? Pourquoi ? Où est-ce que ce chemin t'a-t-il mené jusqu'ici ? As-tu la moindre idée ? Est-ce que tu peux savoir comment ta mère et moi nous avons souffert à cause de toi ? Tu devrais, avant de monter ce petit scénario, t'intéresser d'abord aux autres. Vous ne vous êtes pas soucié des autres. Nous ne sommes pas tes parents pour rien, tu le sais bien. Cependant, tu ne sais pas ce qu'on a traversé. Tu n'existes plus. Tu viens de disparaître. Papa ! Ne m'appelle pas papa. Tu viens juste de perdre ce droit. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Papa, je t'en prie, comprends-moi. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu sauver Ariane et sa famille des griffes de Nikita. Tout cela n'a aucun sens. Il n'y a pas de différence. Peu importe ce que tu as fait aux deux familles, la douleur et le mal que tu nous as causés, tu ne pourras jamais le compenser. Nous sommes tes parents, nous t'avons donné naissance. Qu'aurais-tu perdu si tu nous avais fait part de ton plan, Sanchi ? Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je suis vraiment content de te savoir en vie, Sanchi. Mais en dehors de ça, je suis vraiment déçu parce que tu n'as pas jugé nécessaire de m'en informer. Père, les choses ne se sont pas passées non, comme ça. Non, Ariane. Puisque vous n'avez pas jugé nécessaire de nous faire part de votre plan, alors s'il te plaît, n'en rajoute pas, je ne veux rien écouter. Ariane ! Papa ! Que fait cette photo ici ? Madame Malvika occupait cette pièce. Papa ne me pardonnera jamais, Ariane. Je lui ai fait beaucoup de mal. C'est le cas, Sanchi. Mais nous savons pourquoi nous l'avons fait. Écoute, Sanchi. Avec le temps, Père pourra comprendre. Même aujourd'hui, il était en réalité très heureux de te voir. Sinon, il ne serait pas en colère contre toi. Il y avait beaucoup d'amour même dans sa colère, Sanchi. Je le sais, Ariane. Ça a été une période très difficile pour nous tous. Mais je suis la seule à savoir comment j'ai traversé ces moments. Vous pouviez au moins vous rencontrer. Mais moi, je n'avais que des souvenirs. Regarde. Regarde ça. Ne
votre photo. J'en ai aussi une avec maman et papa. Tiens. Ariane, la photo de papa, la photo de papa, je la trouve pas. Chaya ? Qu'est-ce que c'est ? De nos jours, vous ne faites plus bien votre travail. Il y a tellement de toiles d'araignée. Va dans la chambre et nettoie-les. Qu'est-ce que c'est ? Une photo. Donne-la-moi. Toujours en train de fouiner celle-là. Ma tante, elle m'appelle. Allô, ma tante ? Sanchi ? Tu as égaré ta photo avec Monsieur Virendra. Oui, ma tante, je ne la trouve pas. Je me demande vraiment où je l'ai égarée. En fait, c'est Chaya qui l'avait. Elle allait la donner à Nikita. Oh mon Dieu! Tu sais, on a failli se faire prendre. Le Seigneur Ram est avec nous. J'ai intercepté Chaya à temps pour qu'elle ne la donne pas à Nikita. Je l'ai récupérée. Dieu merci, ma tante. Si Nikita avait vu cette photo, tout aurait été gâché aujourd'hui. Oui, Sanchi. Bon, je vais devoir accrocher, d'accord? Tu as la photo, n'est-ce pas? Bientôt, Père nous pardonnera aussi. Je pense qu'on devrait hypothéquer la maison. Rassembler tout et retourner dans notre petit village. On devrait tout recommencer à zéro. Nikita, si tu ne savais pas comment gérer la situation, pourquoi en as-tu créé une autre? Maintenant, tu assumes les conséquences. Bye. Le plan se retourne contre moi. Mon oncle a refusé de m'épauler. Et mère est aussi bouleversée. Je ne sais pas comment redevenir sa préférée. J'aurais préféré que Malvika n'entre pas dans ma vie. Suis-je en train de m'éloigner de mon but? Suis-je en manque de concentration? Oui. J'ai d'abord eu l'impression que Malvika n'était pas Sanchi. Ensuite, j'ai commencé à voir l'esprit de Sanchi. Oh mon Dieu, suis-je en train de devenir vraiment folle? Même Ariane m'en veut maintenant. Je ne suis pas folle. J'ai besoin de me distraire. Je vais regarder la télé. Papa. Papa, tu te souviens quand je faisais une erreur durant mon enfance? Si je faisais tomber quelque chose ou je la cassais, je tenais mes oreilles et je m'excusais auprès de toi. Aujourd'hui, je t'ai terriblement blessée, papa. J'ai fait une très grosse erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux m'excuser auprès de toi, papa. Si tu le désires, je suis prête à accepter ma punition. Ah, mais c'est de la triche! Tu sais très bien que je te pardonnerai si tu agis ainsi. Les ruelles de Delhi sont composées d'arômes et d'ambiances. Elles peuvent rendre n'importe qui émotif. Les Parathas et les Golgappas sont aussi appétissants. Alors, laissez-moi vous faire visiter Delhi.
Sanchi, tu es vivante. Quel gros mensonge! Sanchi et Ariane, vous vous êtes tous les deux mis dans un sale pétrin. Vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous avez affaire. Je ne vous épargnerai pas. Votre jeu est terminé! Ikirishta, 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 sajidah.